Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de voitures sur ETS2. Là, on va partir sur une petite Bentley bien sympathique. Regardez-moi cet intérieur, il est vraiment juste magnifique. Il est vraiment magnifique, il y a tout ce qu'il faut sur le tableau de bord. Ok, donc on va mettre le moteur en route. Hop, c'est parti. On a bien sûr le GPS de fonctionnel. On va démarrer. Donc le son déjà est vraiment pas mal. Donc on n'a pas, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a rien d'affiché au niveau des vitesses. Je ne sais pas, par exemple, là si je suis en marche avant ou en marche arrière ou en position neutre, le levier ne bouge pas non plus, donc c'est dommage. Il faut faire un test à chaque fois accéléré. Bon, voilà. Nous voilà en point mort. Donc on a l'écomodo qui fonctionne complètement. À droite, à gauche, au niveau des clignotants. On a l'écomodo des essuie-glaces qui fonctionne aussi également. Les essuie-glaces balayent vraiment bien aussi. Je les mets en automatique. On a aussi bien sûr la fonctionnalité des fenêtres. Donc à droite et à gauche, bien sûr, il y a tout qui marche. Ça, c'est cool. Regardez-moi ce bolide, il est vraiment beau. Donc on l'a en deux coloris au niveau de l'intérieur. Allez, on va voir ça de suite. On a deux coloris, je vous montre ça de suite. Donc on a un moteur de 600 chevaux avec une boîte 8 vitesses. Et l'intérieur, donc on a cet intérieur qui est vraiment splendide où... Cet intérieur à 20 000 euros, tout en rouge, en cuir rouge, qui est aussi magnifique, hein, il faut aimer. C'est assez tape à l'œil, mais pour moi, cette configuration ne m'a pas plu. Donc du coup, je suis parti plutôt sur celle-là, qui est plutôt cool, plutôt basique. Je préfère, voilà, petite peinture, bien entendu, comme il se doit. Donc on a également, si on met la couleur rouge, on a le volant aussi en rouge. Bon, je suis resté en classique, et voilà pour nous. Allez, ok les amis, donc c'est bien beau de présenter le véhicule. Maintenant, on va voir sa tenue de route. On va vraiment le tester sur la route. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une petite mission. Allez, nous sommes à Bordeaux. On va partir de Bordeaux. On va faire vraiment toute petite mission. J'ai quoi? Bordeaux-Montpellier, là. Bordeaux-Paris. J'ai combien? Ouais, allez, on va aller à Paris. Allez, c'est parti pour Paris. Il est temps d'aller travailler. Allez, on y va. Si vous n'avez pas vu mon petit test sur le Land Cruiser de chez Toyota, je vous invite à aller le voir. Je vous mets le lien dans la description et je vous le mets et je vous l'affiche en haut. Voilà. N'hésitez pas bien sûr aussi à rejoindre mes réseaux sociaux également. À vous abonner à la chaîne bien entendu, à la liker, à la partager. Ça fait plaisir, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ce magnifique véhicule. Il est vraiment puissant, hein. Regardez la vitesse. Vraiment puissant, ça fait plaisir. Eh bien, c'est la sortie des voitures sans permis ou quoi? Ouais, il n'y a que de ça. Incroyable. Ce fut une belle balade. Super, allez, il est où mon personnel? Je sais pas où il est. Allez, super, vous avez la possibilité également de m'offrir un petit café si ça vous chante pour me soutenir, bien sûr. Via Tipeee, je vous l'affiche juste là. Vous l'avez en description. Vous avez le lien en description. Merci pour ceux qui le font. Ça fait vraiment plaisir. Et ça m'aide énormément. Prêt à rouler. Allez, les gars, montez dans la voiture. On va fermer les fenêtres, tout est fermé, ouais tout est fermé. Ok, la clim est mise. Allez c'est parti, on va pouvoir rouler. Et on va envoyer du steak. Tournez à droite. Allez tout droit. Ah, dites-moi également, les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette petite peinture? La deuxième sortie. Oh, je la trouve vraiment luxueuse, hein. Vraiment de dingue.
avec les jantes noires et tout. Elle est vraiment juste magnifique. Elle est incroyable. C'est juste incroyable. Alors bien sûr, le lien de cette Bentley sera en description. Si vous la cherchez pour vous, ne faites pas comme moi si vous n'avez pas encore la version 1.5. J'ai pris la version 1.5 sans faire attention et du coup, il n'y avait pas le son de la voiture. Donc sur la version 1.49, elle tournait, mais il n'y avait pas le son de la voiture. Du coup, j'étais obligé de la retélécharger. Mais aucune inquiétude, les amis, je vous mets tout en description. Si cette voiture vous chante, en tout cas, elle est gratuite, bien entendu, également. Bien sûr, je présente que des choses gratuites de mon côté. On se prend pas la tête. Bien entendu. Bon, je pense que je vais tricher un petit peu. Là, il va falloir que je passe. Allez, on y va. Parce que là, j'ai pas fini. Allez, on est pressé, les gars. Regardez ce qu'on va faire, carrément. Mais non, elle a pas glissé, c'est moi qui ai paniqué. Alors bien sûr, on roule, hein, on envoie du steak. On va la tester au maximum. Tant pis pour les PV, bien entendu. Ça fait partie du jeu. Waouh. Donc à ne pas reproduire en vrai, bien entendu les amis, parce que c'est simplement un jeu vidéo là. Faites-le en jeu vidéo, faites comme moi, et en vrai, vous vous calmez quoi. Je suis à 150, j'ai l'impression d'être à 90, c'est incroyable. Donc ça tient vraiment bien la route. Hein. Ça tient vraiment bien la route. À 200, elle est complètement ouf. Elle avance bien. Ah non. Par contre, là, non, inadmissible. C'est inadmissible, les gars. Alors, on va essayer de se caler à 150. Voilà, ça, c'est bien. Donc, bien sûr, il y a le régulateur de vitesse. Comme vous voyez, là, le petit point vert sur mon compte tour. J'ai l'essence qui baisse à vue d'œil. Ça consomme un peu.
les 180, ça monte tranquille. Et les flics en face, est-ce qu'ils m'ont vu ? Ils m'ont pas vu. Dire quelque chose, les flics. Ouais, ils me disent rien du tout. Ah, ils m'ont vu. Ils m'ont vu et ils m'ont revu. Allez, salut, hein. Allez, on pète les 200 km/h. C'est vraiment sensible à cette allure. Elle a un bon frein moteur, en tout cas, ça nous permet de relâcher l'accélérateur et de retomber assez vite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Freinez droit, un conseil, il faut que vous freiniez droit, pas tourner.
okay, on va arriver à une station. Ah, je suis en panne. Ok les gars, je suis à 120. J'ai dû me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence là. Et la station juste là. Station service à 500 mètres. Allez, on les fait, on les fait. Oh là là, ça monte. C'est juste là. Allez. On le fait ou pas, les gars? Recherche d'un nouvel itinéraire. Il est clignotant quand même. Allez tout droit. Faut que je m'arrête, faut que je m'arrête juste pile 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 pile. Ah, j'ai freiné trop. J'ai freiné trop. Oui. Oh là là. Donc le réservoir fait exactement 285 litres. Oh, ça me bat les couilles. Ah, voilà. Ça fait du bien de manger un peu. Bon les gars, voilà, vous l'avez compris, si vous voulez vraiment tranquille, d'ailleurs on va faire la fin du trajet vraiment pépère en mode RP. Vraiment, si vous voulez tranquille, vous avez compris, c'est une très 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 bonne voiture. Et en plus on va finir avec la pluie, c'est magnifique. Ça bouge pas, hein, bien sûr. Tenez la gauche. Merci mon pote. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant.
c'est vraiment un régal quand même. Elle a une très forte, accélération, donc forcément, ça peut rendre un petit peu le... C'est où? C'est au fond. Le trajet un petit peu dangereux, faut faire attention, faut la maîtriser, c'est tout. Mais vraiment très très bonne voiture. Alors je vais essayer de me garer, mais c'est souvent ça bug. Souvent ça bug, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, bon, ça marche pas. En tout cas, les amis, voilà, nous voilà à destination. Allez, je coupe les essuie-glaces. J'éteins le moteur, je mets le frein à main. Et nous voilà arrivés. Allez, voilà les amis, pour cette petite virée en Bentley. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me soutient, c'est gratuit. Likez la vidéo, mettez-moi un joli commentaire. Dites-moi si vous connaissez cette voiture, si vous comptez la prendre et ce que vous en pensez de ma petite peinture. Je la trouve vraiment magnifique personnellement. Mais ça, c'est mes goûts. Allez les amis, merci pour le soutien et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.